Cette semaine, je voyage dans le nord de l'Ontario, dans ma ville natale de Kapuskasing, pour une aventure de pêche avec mes chums. Bonjour tout le monde, mon nom est Miguel de Mixing Outdoors. Je suis un guide de pêche au territoire du Nord-Ouest, un pêcheur de tournois en kayak et un passionné de plein air. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ma chaîne YouTube. Si vous êtes également passionné de plein air, de chasse et de pêche comme moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez apprécier l'aventure d'aujourd'hui. Bon visionnement. Avant de partir pour la pêche, je fais un arrêt important. North 49 Motorsports pour ramasser ma motoneige. Oui, c'est vrai, j'ai pas mal d'avance, mais j'avais de la maintenance à faire sur ma motoneige pour aller à la pêche à la glace cet hiver. Puis, il n'y a rien de mieux que d'encourager les commerçants locaux, des mécanos du coin. On sait ce qu'on a. On se fait pas niaiser. North 49 Motorsport. bonjour! Bonjour, monsieur! Ça, c'est l'équipe Walmart. Les commandités par Walmart. On est déjà baptisé, right on. Vous allez comprendre plus tard. Salut les boys! Salut! Oh Miguel! C'est quoi votre nom d'équipe, vous autres? Je sais pas. Quand tu dis en va falloir vous trouver un nom d'équipe avant qu'on arrive. Ok. On va planer ça. Pensez-y. Oui. La grosse misère. Ça va prendre un interview. Ça va prendre un interview avec des spécialistes des rapides. Avec les gens concernés. Et là, quand le monde dit on s'en va faire une aventure de pêche. La plupart du temps, il y a du monde qui vont à la pêche, mais c'est pas vraiment une aventure de pêche. Ça, c'est une aventure de pêche. 1,5 km. Puis il y a déjà deux gars qui sont bien trempés, puis il y en a un qui a mal aux genoux. Deux heures trente plus tard, on arrive à destination, notre campement sur l'île. C'est le temps de vider les bateaux, d'installer les tentes. Notre lumberjack expert, Hugo, nous prépare une belle pile de bois. J'ai oublié de mettre les lunettes de sécurité pour les deux premiers. C'est doré? C'est un doré. C'est un très gros brochet.
Oh my god, un gros brochet! Wow! Ça, c'était un gros. C'est quoi le boulier là? Wow, c'est un monstre. Taco, il y a encore du power, man. T'as quoi, c'est ta ligne? Quoi, ta ligne? On arrête. Hein? Oh, voilà. Oh, ça, c'est un bon, hein? C'est sûr. Good job, mon homme. Basse. C'est une petite basse. On est ici avec Martin et Alain. Ça, c'est votre chaîne de doré. C'est quand même assez impressionnant. Si. C'est quoi, la, c'est quoi les... 22 pouces. 22 pouces, ça, c'est le plus gros doré. 22 et quart. 22 et quart. Puis toi, Martin? Ouais, ça, c'est un beau petit doré pour la panne. Puis un achigan, je crois. Après avoir heurté le bouclier canadien avec notre moteur, on a passé la journée ancrée dans le plein milieu de la rivière, dans un endroit où journée. Il y avait apparemment juste deux poissons. Difficile, pas de... Heureusement, à l'aide de notre mécanicien patenteux Eric, on sera de retour en force demain. J'ai un bon speed doré. Puis là, notre chum Martin, il a dit: hey, on s'en va se baigner dans des rapides. Ça n'a pas l'air d'une bonne idée. Mais on va le suivre quand même parce que c'est ça. Tout de même, ça marche. Ça, ça explique pourquoi les hommes ils vivent moins longtemps que les femmes. Il n'y a pas juste nous autres pour se faire filmer, il y a aussi le host de votre émission, hein? Moi, je lâche, là! C'était pas une bonne décision! Ouais, décision de lâcher, c'était pas la bonne chose. Ah, ça va? Pas la 7, ouais. Je sais pas si ça va. Fais-tu mal? Mets tes mains là! Je peux pas! Qu'est-ce qu'on ferait pas? Pour avoir des abonnés YouTube. Hein? Hey, ça c'est pas des vidéos d'Ice Road Trucker, ceux-là, c'est vrai là qu'ils ont bien fait là. C'est la vraie expérience. C'est la full experience. Avec un mullet. Puis des rapides. Tu devrais avoir un beau flow là, le mullet de bout dans les verres. Dire à dire. Ça a-tu cogné quoi? Oh yes! Ok, donc. Le plan pour aujourd'hui, Martin, mon partner, détient la plus grosse achigan, 16 pouces et demi. Puis Martin, l'autre Martin, le pilote de ce bateau, doré de 22 pouces. Hier, on est arrivé, on en a pogné de 21 et demi. On peut pas vous dire. Ouais. Fait que là, on a besoin d'un doré de 22 pouces et quart.
c'était pas un bon choix. J'aimerais remercier Martin d'avoir préparé ce beau voyage et d'avoir partagé cet endroit magnifique avec nous. J'aimerais également remercier Martin Bergeron, Alain Rioux, Éric Ouimette et Hugo Fortin pour leur magnifique compagnie. C'est le dernier soir, on prépare nos choses pour partir. Il y a une chose qui est claire. Peu importe où je me retrouve dans le monde, dans le pays, mon cœur demeure toujours dans le Nord. On peut sortir le gars du Nord, mais on sort jamais le Nord du gars.